Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes de 19h-21h sur TSO Radio. Allez, vous êtes de retour sur TSO Radio. On va jouer tout de suite à un jeu de malade. Le fameux jeu du hochet, vous l'avez découvert avec nous la semaine passée. Ce micro ne s'allume ou s'éteint plus? Non, je ne sais pas. Là, il est allumé. Donc... Ah oui, ça marche. Il est allumé. Je vais donner le micro sucette à notre Philippe Risoli local, oui. Ouais. Nos deux joueurs, donc le président du comité des fêtes, le président du club de pétanque de Guise, Laurent, est avec nous, en fait. Et Laura qui est en train de dire à sa famille, ne regardez pas ce moment. Donc posez le casque et mettez-vous là-bas. Ouais, j'ai reçu un message de Laura, je démissionne. après la séquence. J'en ai ras le cul. Allez-y, pouvez-vous lever, vous mettre là. Je vais passer le micro à... Si, bien, c'était juste pour donner les bouteilles. Alors du coup, je vais demander aux deux seuls animateurs, je vais te demander à toi de combler l'émission. Non, vas-y Stéphane, comble l'émission. Alors, pour rappel, le jeu du hochet hein, qui a été remporté par Laura haut la main face à Vince parce que c'était truqué. Exactement. Alors, je vais te le donner, il va falloir que tu prennes bien sérieux. Mais en gros, c'est deux bouteilles qui sont... attaché avec du scotch et il y a une bouteille qui est remplie à moitié de billes et donc l'autre qui est vide et c'est fait comme un sablier en fait. Le jeu c'est comme un sablier, on va devoir mettre les billes dans l'autre bouteille. On se prend à la foire au fromage de la Capelle. Et dans ce temps de là-bas il y a du fromage, après on va passer au vin de Bourgogne. Alors la règle du jeu est simple, vous retournez et vous secouez comme si vous secouez. J'ai mal au tympan encore. Le but c'est de vider le plus rapidement possible toutes les billes dans la bouteille qui sera vide, du coup celle qui sera en dessous. Avec donc, demain ou demain? Je peux demain. Oh, ouais, demain pour maintenir peut-être la structure faite en 2 minutes juste avant. On remercie quand même Laurent de participer à ce jeu. Parce que... Merci Laurent de te prêter à ce type d'activité qui n'a aucun sens. Parce que mais je pense qu'il va se faire charrier par les licenciés ouais, voilà. Après. Alors, pour les boules, pour la passion des boules. 3, 2, 1. Top à la machine. Ah merde! Aïe! C'est toujours le même matériel défectueux. Ah, le matériel est pas très. Laura est une compétitrice jusqu'au bout. Elle ne lâchera rien. Les boules iront dedans. Laurent est aussi très compétiteur. Allez, c'est parti! Laura, un peu plus fort tard, Laura en avance. Laura a une grande avance. Laura essaye, mais Laura. Attention, mais qui va terminer premier? Allez. Attention, qui va arriver au bout? Laura a toujours une avance. Il y a des billes. Laura, Laura, regarde, il y a de la méthodologie en face. Il y a de la méthodologie. Attention, il revient, dans la partie. Attention, Laura va bientôt. Et voilà. En tout cas, remercie quand même Laurent d'avoir venu. Il y a des billes un peu partout maintenant, mais bon. Ah bah oui, forcément. Mais bon, le scotch, il faudra acheter de l'autre scotch. On préparera mieux le matériel pour les séquences suivantes, je pense. Parce que c'est Laurent qui gagne à chaque fois. Donc, il y a un souci avec les bouteilles quand même. Je pense que Laura, il y a vraiment une aisance dans le. Il y a de la pratique dans la boule. Il y a quand même le doigté. Vous pouvez poser tout ça sur les tables juste derrière et puis revenir vous installer à la table. Merci pour cette séquence inoubliable, je pense. Inoubliable pour les yeux. Sur les par exemple. Les oreilles dans le casque. Au niveau du son, vous pouvez remonter le volume d'ailleurs. Et pauvre Sébastien qui là prend son rôle de président. Désolé pour cette séquence de merde. Mais non, c'est quand même important. Ouais, t'as un micro là. Merci. C'était toi. Voici le bâton de la parole pour toi, mon ami. Est-ce que tu as quelques petites questions à poser à notre président de boule de pétanque bizarre?
Attends, je prends mon casque. Oui, oui, pour que tu puisses entendre ce qui se passe dans cette émission. Et donc, durant les différents confinements, est-ce qu'il y a des pertes financières pour le club ou pas? Est-ce qu'il y a des pertes blanches? Bah, nous, ça va, pour l'instant, on n'a pas de pertes. On arrivait à faire des activités l'année dernière. D'accord. Donc, on a eu une rentrée au niveau des recettes, au niveau de la buvette. On a quand même eu la subvention, que cette année, qui est reconduite. Non, pour nous, au niveau bilan financier, c'était impeccable. Et puis en perte de licenciés, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes en licenciés ou pas? Non, au contraire, ça fait 2 ans que le nombre de licenciés au sein du club, il augmente. Donc malgré le coronavirus, les gens sont restés et... Ils ont pris leur licence, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Et nous, au contraire, c'est en augmentation. Bon, c'est bien. On te l'a dit tout à l'heure, il y en a 4 qui arrivent demain. Ah oui, je sais, mais c'est important de le rappeler. Enfin, demain, ouais, il y a la quête qui arrive la semaine dernière. C'est ça. C'est une question de chronologie. C'est ça en fait, ouais. Et on a aussi, je sais pas si on a encore un peu de temps ou pas. Si. Il y a de la boule bol. Il y a la pétanque et de la boule bol. Et pas la bitmol, hein. Non, la boule. Effectivement, Laurent, tu nous as parlé en antenne d'un jeu, d'une pratique. Et en fait, je prends mon micro dans la gueule toute la journée. C'est quoi? C'est une variante? Les variantes en ce moment, mais c'est quoi par rapport à la boule molle? La boule molle, ça se joue à l'intérieur. Ça se joue pas dehors, ça se joue à l'intérieur, chez toi, sur du carrelage, sur du parc flottant, de la moquette. Déjà souvent. Chez moi. Bon, après, il faut bien sûr retirer les tables et puis si t'as des bibelots, hein. Je pense que maman va crier. Et ça se joue qu'à l'intérieur et ça casse pas. Alors, à chaque fois que la boule est molle, on voit qu'elle crie. Hein. Putain! J'ai une petite définition de la boule molle. Ah, t'as une définition? Eh ben, on t'écoute. Qui a été inventée aussi par Obut, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Obut, c'est la marque qu'on parlait tout à l'heure? C'est la marque principale, on va dire, des boules. Des boules. Voilà. Donc, si vous avez des... Ce serait des testicules que ça aurait été pareil. Hein. Si vous avez 40, des obuts, c'est-à-dire que vous avez des belles boules. Des bonnes boules. Bah, des belles aussi. Elles sont belles. Des belles boules. Ouais, parce que bonne et belle, c'est pas toujours... Pas toujours pareil. Ouais. Pas toujours pareil. Alors, une petite définition. Petite define. En fait, la boule molle se joue en appartement avec des boules légères et presque silencieuses sans risque de casse. L'avantage, c'est que ce jeu convient aux adultes, mais aussi aux plus jeunes. Alors, les boules molles sont fabriquées en cuir synthétique. Elles sont remplies de graines de millet. Pour un poids de 190 grammes, entre chaque main, il est conseillé de façonner la boule avec ses mains pour s'assurer qu'elle ne soit pas déformée lors de la main précédente, au point de ne plus être très ronde. Mais sinon, on appelle ça un kyste. Ce constat vaut aussi pour le cochonnet, parce qu'il y a un cochonnet aussi. Hein. Oui, ça fait partie aussi également de la Fédération Française de Pétanque. Hein. C'est ça. Le cochonnet, je rappelle quand même, c'est l'objectif premier de la boule, non? Ah oui, c'est de différentes couleurs. Il faut être le plus proche possible. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de cochonnet, il n'y a pas de jeu de boule. Non, je sais pas. D'accord. Donc, en tout cas, la boule molle se joue aussi avec un cochonnet. Oui. D'accord. Mais après, je crois qu'il y a aussi des face-à-face où il faut faire des carreaux, je crois. Des tête à tête, il n'y a pas des championnats comme ça, il faut faire juste des carreaux ou... T'as des championnats, après les carreaux, c'est ça demande du joueur, faut savoir tirer. Tirer ou pointer. Moi je fais ce que je peux. Hein. Axel, t'es tireur ou t'es pointeur toi? Alors pour moi un pointeur c'est un violeur, donc... c'est ça. Si, en prison les pointeurs sont des violeurs, donc tireur. Je vais être sur tireur. Tu tires ou tu pointes? C'est vrai qu'on disait ça, mais c'est quoi un tireur, c'est quoi un pointeur? Bah... Un tireur, c'est celui qui tire. Est censé dégager les boules de l'autre, de l'autre équipe. Généralement, c'est celui qui un fait les carreaux. Un pointeur, c'est celui qui doit se rapprocher le plus près du cochonnet pour avoir les points. Ah bah, tu vois, ça, je savais pas. Généralement, quand tu mets au cochonnet, non, mais... c'est le pointeur qui. Tu sais que moi, le sport, c'est fait en premier. On prend une partie de boule. Ouais, c'était pour une partie de boule, pardon. Et il y a des gens qui sont que spécialistes en tireur ou bien pointeur, ou tout le monde est polyvalent et... Bon, maintenant, la pétanque de maintenant. Tout le monde doit savoir faire les deux, mais sinon, il y en a qui sont spécialisés pointeurs. Si c'est en triplette, on appelle ça un milieu, puis un tireur en troisième position. Mais alors d'aujourd'hui, tout le monde doit savoir faire aussi bien pointer que tirer. Toi, t'es quoi par exemple? Je fais ça depuis des années, donc. Je fais les deux. Non, mais il peut avoir une préférence. Sans. Puis après, c'est. Comme tu joues en équipe. Quand l'équipe elle tourne bien, bon, on reste à sa place. Si après on est un tour en dessous, on essaie de tourner. Donc admettons, un peu les lacunes, Si je suis mieux, je prends soit la place du tireur ou de pointeur en fait. Tout dépend de la partie. Ok, voilà. Ça marche.
On va se retrouver pour la dernière partie de l'émission. On parlera un petit peu de l'association, comment on la contacte, comment on la rejoint, combien ça coûte. On va parler un peu de l'association parce qu'il faut la mettre en avant quand même. Merde, on est là pour ça. Donc ça, c'est tout de suite. À tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.